Je suis ravi de vous retrouver dans votre podcast quotidien Equidiam et le Faux Quintet avec au programme trois rubriques. Feu rouge pour mon impasse, feu orange pour mon coup de folie et enfin feu vert, mon coup de foudre. En fin d'émission, je vous révélerai mon ticket pour décrocher le pactole. Sur la grille de départ du prix de la Seine-et-Marne à Fontainebleau, 16 sprinteurs de 3 ans et plus vont se défier en ligne droite sur la distance de 1200 mètres. Feu rouge, je freine avec le 16 Pradaro. L'aîné du peloton affronte des adversaires dans la fleur de l'âge. Même s'il évolue en terrain conquis sur une piste pénible qu'il va apprécier, il va avoir du mal à rivaliser avec ses cadets. Feu orange, je ralentis avec le 2 Chirimiri. Lauréat du quintet du 16 septembre et pénalisé de 4 kilos, il a refait pas mal de terrain lors de sa dernière sortie, prouvant qu'il avait encore les moyens de batailler pour les places dans les grands handicaps. Associé à Monsieur Quintet, Stéphane Pasquier, est redoutable sur les pistes pénibles, je vous conseille de lui laisser une place en bout de combinaison. Feu vert, j'accélère avec le 10 Cannes. Le 12 octobre, il est sorti des stades comme un fer à repasser. Sa fin de course n'est pas passée inaperçue. À l'aise en terrain lourd et compétitif, en 36,5 de valeur, il a les moyens de signer une deuxième victoire dans les courses événements. Yes, it can. Pour mettre le feu aux poudres, je vous propose un quintet plus, champ réduit, flexible 25% avec le 10, l'As, 2X et le 2, associé au 3, au 4, au 7, au 9 et au 12 pour la somme de 10 euros. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez aussi mettre le feu au quintet, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission quotidienne pour avoir accès à tous les épisodes à venir, sans oublier de laisser un commentaire et une note.